lei un movimento come questo cosa può ottenere? Je pense qu'il peut conquérir pas. Penso possa ottenere molto, non solo in Francia, ma anche in altri paesi europei. Lo dico per ricordare ai manifestanti di scendere in strada, perché siamo stanchi di essere un popolo oppresso. On est avec Nara du syndicat Solidaire Sud. On a l'occasion de savoir quelque chose sur ce qui se passe en France et sur les mouvements des Gilets jaunes. Ce n'est pas un mouvement parisien, c'est un mouvement des territoires ruraux, des territoires et des petites villes. Ça, c'est important pour le comprendre. Il faut savoir que justement, ça naît dans des territoires pauvres. Voilà. Les services publics sont de plus en plus détériorés, que les gens sont démunis, où il y a des revenus moyens de 300 euros en dessous de celui de la capitale. Et tout ça fait que, sans trop savoir comment, ça a commencé. Certes, avec à la base une revendication qui soulignait le fait que la taxe par rapport à l'essence était trop élevée, au carburant. Mais très rapidement, les revendications, elles ont basculé sur, au niveau social et des exigences. En gros, si on va à l'essence, d'une autre redistribution des richesses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ma première manifestation. Le système représentatif qui est actuellement en place ne convient pas. Je pense que c'est la racine de beaucoup de nos maux parce qu'on prend pas assez, on n'est pas pris assez en compte pour nos décisions. Nous, on ne veut pas être consultés, on veut décider. Quelle est la composition sociale et culturelle de ce mouvement? C'est très hétéroclite. Tu as effectivement un noyau historique de militants et militantes. Syndicales, politiques, mais également toute une tranche de la population qui ne sortait pas jusqu'à là dans les rues, qui n'était pas dans la contestation. Je peux croiser mon mécanicien qui s'occupe de ma vieille voiture, jusqu'aux voilà, les agriculteurs, les paysans, beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes, et avec une prise de parole sur les besoins quotidiens et très concrets des gens. Tu fais partie d'un syndicat, Solidaire Sud. Quelle est la position et la participation de ce syndicat? Et autre question, est-ce que le syndicat Solidaire Sud, il pense d'organiser une grève générale dans le futur? Il se trouve que l'Union syndicale solidaire, dès le début du mouvement, a tout de suite appelé à soutenir ce mouvement et que nous, les militants, les militantes, les syndicalistes, on s'y investisse. Parce que justement, c'est en s'investissant, en devenant et en étant des gilets jaunes, qu'on peut renforcer les revendications sociales du mouvement. Il y en a ras-le-bol. Évidemment, nous sommes tous et toutes conscients et conscientes que même si ce mouvement a réussi depuis le 17 novembre à faire des blocages de l'économie, bloquer les autoroutes et tout ce qui en suit, nous allons avoir un vrai rapport de force dans la mesure qu'on réussisse à avoir une grève générale. Macron, démission encore, on va venir te chercher chez toi Macron, donc voilà, vous pouvez l'entendre à l'instant, donc voilà, ce cortège qui se dirige tout droit devant nous et qui va revenir place des Invalides. Le 5 février, il y a un appel à la grève interprofessionnelle appelé par la CGT, donc nous sommes très contents et contentes. Finalement, au niveau central, au niveau confédéral, ils ont pris conscience du mouvement. Car il faut savoir qu'évidemment, il y a des camarades de la CGT auprès de nous et auprès des Gilets jaunes localement. Quelqu'un il a parlé une nouvelle révolution en France. Nous sommes en train de vivre un moment, je ne sais pas si révolutionnaire, l'histoire le dira, mais dans tous les cas, insurrectionnel. C'est très très clair. Après, à nous, justement, organisation syndicale, de nous investir toutes et tous pour que ce soit un mouvement qui veuille aller justement à la racine du problème qui est bien le système capitaliste. Mais dans tous les cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça a été un mouvement qui a permis une politisation accélérée de l'ensemble de la population. Il y a une remise en cause du système démocratique, il y a une remise en cause de la façon de faire, il y a vraiment un retour à l'action directe. Cette manifestation a aussi pour objet de rendre hommage aux nombreuses personnes qui ont été blessées lors de ces manifestations par la police. Sur le lieu du drame, un sapin de Noël. C'est à cet endroit du barrage filtrant qu'un homme de 61 ans a été renversé ce matin vers 10h25
par le chauffeur d'un poids lourd qui a tenté de forcer le barrage devant de nombreux témoins choqués. Monsieur Macron, je vous remercie pour tout ce que vous faites et pour et qu'on ne dise pas que c'est un accident, que c'est notre faute, tout ça. Face à nous, nous avons une répression extrêmement violente. Vraiment, le gouvernement a mis énormément de moyens dans la répression, avec des taux de blessés, des taux de morts. Très important, de garde à vue, de parution immédiate devant le juge, des situations très graves, qui sont évidemment là pour faire peur à la population. Et je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est précieux. Ce que nous sommes en train de vivre est vraiment précieux. Et on va voir, espérons que ça continue, et dans le bon sens. Oggi a Milano incontro del sindacalismo di base italiano, francese, anche una presenza del sindacalismo di base brasiliano. Bolsonaro quiere hacer un plan de entrega de nuestro país a los norteamericanos. Entonces, lo desafío ahora de los sindicatos y las organizaciones sociales es hacer una movilización unitaria y nacional contra las reformas de pensiones y una serie de privatizaciones en Brasil, como los servicios postal, la Petrobras, que es importante sobre el petróleo de Brasil. Y para esto vamos a tener una plenaria nacional, una asamblea nacional, día 20 de febrero en Brasil, para organizar esta lucha unitaria. Il sindacalismo di pace è l'unico che è rimasto sul terreno del conflitto, gli ultimi scioperi generali sono stati indetti proprio dal sindacalismo di base. È un segnale chiaro che la CUP sia stata l'unica organizzazione che ha scioperato contro un governo di centrodestra come questo, ma serve anche avere nozione di quello che succede altrove, perché le politiche sono comuni contro i lavoratori non solo in Italia ma anche nel giro, se vede adesso nel giro del mondo. Ci serve creare una rete di conoscenza per informare i lavoratori, e questo è quello che sta provvedendo a fare la CUP anche con l'incontro di oggi qui a Milano.